Bonjour à tous, bonjour à toutes, on arrête tout On arrête tout On a découvert quelque chose dans le jeu d'absolument fou, on se ment à nous-mêmes depuis bien trop longtemps. Déjà dans la vidéo que je viens juste de sortir, je vous avais expliqué qu'on colportait des informations fausses, etc. Mais là, on dit des choses depuis des années, on voit des choses décrites euh, par les développeurs dans le code qui ne sont pas vraies. Vraiment, ça ne, ça ne marche pas comme ils disent que c'est censé marcher. Depuis toujours, on dit que les euh, uniques sont appliquées avant les capacités de lead. Euh, vous prenez, euh, bah, avec les mécaniques de, de garde de ces 3C, enfin, même tout, quand on se pose des questions, on est toujours en train de dire, par exemple, avec, euh, avec Vador, euh, le, la, le LV Lord Vador et, euh, et le Royal Guard, avec le fait qu'il transforme la, santé, la protection en santé, etc. On dit que l'unique s'applique avant, etc. Et on était très content avec ça. Mais là... Mais là, je vais vous prouver exactement le contraire. Avec cette Team Motma. -mot alors, pour bien comprendre, euh, il faut avoir quelques petits prérequis. Déjà, la capacité de Lee de donne 8% de santé max et de protection max aux combattants rebelles. Calcatar dans cette composition, est le seul combattant rebelle. Donc, seul lui aura ce boost. Euh, ensuite, on va garder en mémoire, son cumul santé-protection est à 122K. Donc, euh, voilà. 122K, on retient. L'unique de Chewbacca, on s'en souvient, il donne la garde à l'allié le plus faible, SWAT. Et il est placé en deuxième, ça on sait que du coup, la garde sera appliquée avant même qu'il y ait un autre unique de ces 3C notamment. Ensuite, on a Han Solo, on s'en fout. Ces 3C, il est là uniquement pour faire le témoin de qui prend la garde. Il a un cumul santé-protection de 121K. Et enfin, on a Kyle Katarn, on a Kyle Katarn, combattant rebelle, qui lui est à 119K. 121 Momo, 120 euh, 121 Momo, 100, 122 Momo, 121 C3C, 119 Kalcatarn. Ce qui compte, c'est qu'ils sont dans un standard. Donc, normalement, normalement Calcatarn doit prendre la garde. On est d'accord. C'est l'allié euh, le plus faible de Chewbacca. Donc, il doit prendre la garde, puisque, on dit depuis le début, la capacité de lead s'applique après les uniques. On est d'accord. Je vous laisse... Euh, je vous laisse cette Regardez, regardez, regardez. La garde est sur... C3C. C3C a plus de santé protection que Calcatarne. Mais il a la garde. Alors vous allez me dire, oui, bon, je suis un peu convaincu, mais pas trop. T'es sûr qu'il n'y a pas un unique qui traîne, etc. Non, non, c'est le lead de mode Matma. Et pour ça, on va faire un autre test. On va enlever le lead de mode Matma en mettant un perso qui a plus de santé protection que euh, tous les autres, on voit, pas filer est à bon, bien plus, hein, voilà, 60 plus 80, il n'y a pas d'histoire d'unique, de boost, de santé ou quoi, euh, machin, rien du tout, il donne du pouvoir aux au rebelles, euh, l'ami C3PO, donc il n'y a pas de mécanique de, euh, de modulation de santé ou protection, et là, sur qui va tomber la garde Calcutta qui est effectivement celui qui a le moins de santé et protection si on n'applique rien. Donc on vient de prouver, tout simplement, là, en 3 minutes, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, que les capacités de lead s'appliquent bien avant les capacités uniques. Tout le monde disait le contraire, les développeurs nous disaient que ça fonctionnait différemment, mais ce n'est pas le cas. Bonne soirée.